Les personnages du showbiz ivoirien sont généralement traités de peu responsables, de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens et surtout qui pervertissent la jeunesse. La bien-motive d'un acteur majeur du coupé décalé, c'est tout à l'heure dans Bien-motive avec Thierry Sarah Kalem. A tout de suite. Appelez-moi Molari, le boss du coupé décalé. J'ai le droit de me jalouser, je ne ferai que rigoler. Hey, 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 ah, ah, ah. Tu me dis que c'est toujours Tago, on sait aussi que tu mito. Mon ami Tago, un flow, assume. Hey. Mori le Moula, de son vrai nom Soumaro Mori Ferré, fils de M. Boulaye Soumaro, ancien directeur de la Poste dans les années 80. Il est né le 2 mai 1979. Après ses premières classes, très turbulents, ses parents décident de l'envoyer en Europe à l'âge de 17 ans dans le but de le recadrer. Faisant partie d'une bande de 7 jeunes appelée la Jet Set, ensemble ils révolutionnent la musique avec l'avènement du coupé décalé. Grâce à cette musique, il fait le tour du monde, il obtient plusieurs trophées et distinctions et il règne dans ce mouvement depuis plus de 17 ans maintenant. A travers cette vidéo, j'aimerais démontrer qu'au-delà des clashs, des buzz, du boucan, des fêtes et de tout ce que nous apercevons sur la toile, Mori le Moula est aussi une source de motivation. Le Moula est doté d'un grand talent artistique et de management. Très vite, il a pensé à sa reconversion. Aujourd'hui, patron de 4 entreprises. M Prod pour la production des artistes. M Group spécialisé dans l'événementiel. Il est l'initiateur de la plus grande cérémonie ivoirienne de distinction des artistes appelée Premier. Mori le Moula est une référence pour plusieurs artistes africains et il fait beaucoup pour la culture ivoirienne. Je me permets de dire que je suis fière de l'homme et du patron qu'il est devenu. De la maturité et la sagesse qu'il a acquis tout au long de sa carrière qui ont formé sa réussite. Le Moula a toujours cette fibre des années 80 avec le boucan et l'effarotement. Car il finance plusieurs projets, il agit en faveur des sans-abri, il assiste les veuves et les orphelins. Adepte du boucan, il démontre que le boucan peut se faire autrement et surtout utilement. La motivation qu'il y a dans la vie de Mori le Moula est que, malgré qu'il est le fils d'un cadre de ce pays, avec son BTS en marketing management en poche, il a réalisé son rêve qui était d'être chanteur. Jeunesse ivoirienne, ne nous focalisons pas seulement sur l'aspect que nous apercevons sur la toile. Jeunesse, prenons aussi l'aspect travailleur qu'est ce concepteur du coupé décalé. On peut lui reprocher plusieurs choses, mais ce qui est visible et remarquable à dire, c'est que ce monsieur est un exemple, un modèle de réussite. Il est à l'origine des deux meilleures chansons qui me boostent et me motivent particulièrement. Tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu ne verras jamais le sommet. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir, j'allais jamais y arriver. Moula le chevalier de la nation, la musique c'est ma passion, le showbiz c'est ma maison. Dans mes actions avec conviction, je suivis mes ambitions. Malgré les actions de certaines personnes, j'ai refusé la random. C'était la bien-motive de Mori le Moula avec Thierry Sarah Kalem. À bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye.